Le Seigneur vous bénisse ce soir. Voilà mon grand balai qui Dieu a dit. J'espère que vous allez tous bien. Namini a kamani ni wete mko mzuri kabisa. Est-ce que vous allez bien? Eti mko mzuri. Le Seigneur soit béni. Na hivyo Bwana barikiwe. Nous allons terminer. Vizuri, tamiomba kusimame juu. Moja atakusomea katika andiko yetu ya mara iliyopita. Andiko yenye tulisoma siku ya tatu. Nani anaweza kukumbuka ilikuwa ni katika mstari gani? Jean chapitre 6 verset 4. Sura yake ya makumi nne na nne ya Yohana, sura yake ya sita. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père qui, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Matthieu chapitre 7, Matthieu suraka saba, verset 13 à 14. Mustari wa kumi na tatu mpaka mustari wa kumi na nne. Na mtu mwingine anaweza tena kusomea. Nous lisons au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car là, là est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en aura, il y en a peu qui les. Oui, c'est juste à 14. Quand nous allons comme il y que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa sainte. Ma baraka, on se marie dans la de l'élan par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Il est ni tchoukoué, msimamo, kfatana na enye tuko tunaona. Donc, nous avons annoncé un thème que nous avons intitulé le tout-puissant troublant. Contre le trou noir. Na tulianzisha kitu ambapo tuliita wawezo yote ile shimu mweupe inapinganisha shimu mweushi. Et les trous noirs sont nombreux. Na shimu mweushi iko mingi kabisa. Et nous avons aussi compris. Na tulielewa pamoja. Que le trou noir selon la définition. Ya kuwa shimu mweushi kufatana na kufananisha. Ça signifie c'est donc une région de l'espace-temps. Inaonekanisha pahali moja hivi katika ewa. D'autres dictionnaires l'appellent un objet. Na kamusi ingine inaita ni kitu fulani ama chombo. En fait, c'est une région, c'est un endroit. Ya hiyo ni fazi moja hivi. Où la gravitation ou la force qui attire, la gravitation est tellement forte que
rien ne peut s'y échapper. Ambapo mvuto ama mkokoto yenye iko iko ile fasi iko ya nguvu mwanamna kusema hakuna kitu kinezi kusimama. Même pas la lumière. Hata nuru ayezi kukangala kuingia mule. Quand la lumière arrive là où il y a le trou noir. Wakati nuru inafika pembeni kando kando ya penye panakuwa shimo mweusi. La lumière se déforme. Na ile nuru inaharibika umbo. Elle est attrapée, elle est attirée. Inashikwa na inakokotwa na kuvutwa kabisa. C'est ainsi que cet endroit, cette gravitation, elle avale même les étoiles. Ndio kwa maana ile mvuto iko ya nguvu kabisa inakokota hata manyota. De tout ce qui existe dans l'espace, il n'y a pas une chose qui voyage plus que la vitesse de la lumière. Kwa yote inakuwa muewa na inaonekana hakuna kitu kinaenda mbio kama vile nuru. Et toutes ces choses, c'est Dieu qui les a créées. Na hivi vitu vyote ni Mungu mwenye aliomba. Nous allons lire une citation qui va nous faire comprendre certaines choses telles que Frère Branham l'a dit. Tutasoma tamko moja yenye itatuendeesha namna gani vitu vingine nduku vile nduku Branham anavisema. Et avant cela, je continue un peu rapidement. Kabla ya ile mimi napenda kuendelea kuanja kwa haraka. Pour ceux qui n'étaient pas là. Kwa wale hawakukuepo. Alors, selon certaines recherches, le trou noir le trou blanc. Kufatana na makutafutisha kwingine ile tundu mweupe. Parce qu'il y a le trou noir. Kwa sababu kuna tundu mweusi. Qui attire et qui avale même les étoiles, qui les désintègre. Na inavuta na kumeza hata manyota na inaipotesha. Et même au moment où ces étoiles là sont en train où ces planètes sont en train d'être happées par ce trou là. Na wakati ile manyota ama ile maumbile iko naenda na kukokotwa na ile chimo, ça n'entre pas là-bas en entier. Aingi yake mzima. Ça commence à se déformer. Kinanzia pombele ni kuharibika. Il y a une déformation. Kunakuwa kuharibishwa. Ça devient informe. Inakuwa ici umbo. Et on commence, c'est comme si on suce. Utaona. Ça prend la forme d'un liquide. Ça commence à se déverser dans le trou noir. Inaacha kuwa na umbo, inakuwa na umbo kama maji na inaanza kumwangika mwile shimo mweusi. Ça peut prendre des années pour que ça termine tout entier. Inaezi kuchukua miaka na miaka kadiri ipate kuisha na kumalizika yoyote. Alors, nous nous rendons compte que toutes ces choses sont des choses qui sont dans l'univers ici. Na tunaanza kuona kama hivi vyote ni vitu vinakuwa katika hewa hapa. On nous a parlé de ce que nous connaissons, on nous a parlé des planètes. Walituonesha kwa ile tunajua maumbi. La plupart d'entre nous, quand on parle des étoiles, nous pouvons voir les étoiles la nuit. Zaidi wengi katikati yetu wakati wanasema njua nyota, unaezi kutoka busiku na unaona nyota. On a parlé de la lune que nous pouvons voir. Wanatonesha njua mwezi yenye tunaezi kuona. Il y a le Saturne, Jupiter, ainsi de suite. Kuna ile Saturne, Jupiter, na ile yote ingine kazalika. Toutes ces choses que nous pouvons voir à l'aide des télescopes bitu vyote bile tunaezi kuona kupitia ile telescope ile wazungu wanafanya. Alors toutes ces choses là, na ile bitu yote, ça nous apprend quelque chose. C'est ainsi que dans tout cet ensemble là, les hommes des sciences sont allés découvrir les trous noirs. Et le comportement de ces trous noirs, ça nous montre et ça nous enseigne quelque chose. Les trous noirs qui avalent même des étoiles créées par Dieu. Dès qu'une étoile s'aventure tout près du trou noir, il est avalé. Wakati nyota inachezea tu pembeni kando kando ile jimu na banamumeza. Donc il y a une telle attraction. Manaki kuna mvuto mkubwa. Que dès que vous entrez dans les champs magnétiques de ce trou noir, c'est déjà fini. Munamna kusema ukaingia tu mwile fazi inazunguka ile jimu mweushi. Hakuna njia yako unaenda. Et nous avons dit que les enfants de Dieu, ce sont des étoiles. Na tulisema kama wana wa Mungu wanalinganishwa na nyota. Ce sont des astres. Wao wanakuwa ni manyota. Ces astres doivent être dans leur propre translation. Na hiyo manyota inapaswa kubakia katika manjia yayo. Dès qu'un astre ou une planète ou une étoile change de trajectoire. Wakati nyota ama fazi moja pali moja ina badirisha na kubadirisha tu fazi yake ya kukala. Il y a une perturbation totale. Kuna kuharibishwa kwa kabisa kabisa. Dans le fonctionnement de toutes ces choses. Mukutumika kwa ile bitu biote. Il y a une
perturbation. Kunakuaribika. Et Fobana me dit que cela perturbe l'ordre naturel établi par Dieu. Donc il y a aussi parmi ces astres des astres errants. Manake kuna katika ile manyota kuna manyota ingine yuko natembea tembea. Des étoiles qui quittent leur position pour aller s'aventurer. Manyota inatoka mafazi yao inaenda njoo kucheza cheza na kuzunguka. Sans savoir qu'il y a beaucoup de trous noirs dans l'univers. Bila kujua na kutambua kama kuna mashimo mingi mweusi katika ulimwengu. Parce que les trous noirs ça ne se voit pas. Kwa sababu mashimo mweusi hayaonekani. C'est un endroit vide. Ni fazi hapana tu kitu. Un endroit chaotique. Ni kitu kimoja cha kukauka. Vous ne saurez pas qu'ici il y a un trou noir. Hautajua kama hapa pako shimo mweusi. Mais c'est quand vous arrivez dans cet endroit. Lakini ni wakati unafika pale pale. Dans ces champs magnétiques. Katika ile mazingira. Tellement puissant. Iko tu ya nguvu kabisa. Que vous commencez à vous voir attirer. Unaanza kuniona beko naenda na wewe. Vous faites l'effort de retourner en arrière. Unafanya nguvu ndio upate kukankamana hako na ujame hakuna namna bana kokota. Parce que vous ne vous êtes pas placé à votre position. Kwa sababu hukubakia katika msimamo wako. Les étoiles de Dieu doivent rester dans leur position. Manyota ya Mungu inapaswa kubakia katika umbe na nafasi yao. Les étoiles de Dieu doivent faire leur rotation habituelle. Watoto wa Mungu wanapaswa kuzunguka pafazi barisha zobelea. Ils doivent faire leur translation. Bana pasha kufanya mwenendo yao. Savoni que la rotation c'est le mouvement d'un globe autour de lui-même. Tulisema kama kuzunguka inakuwa ni kutembea kwa muumbile moja fulani kando yake mwenyewe. Mais nous devons quitter de la rotation à la translation. Lakini tunapaswa kutoka kukuzunguka kuenda sasa mkutembea. La translation c'est le mouvement qu'effectue une planète autour de son astre qui na est le soleil. Na ile tu kutembea inakuwa ni kuzunguka kunafanya ile chembe kando kando ya udongo yenye inakuwa kama kitu kenye cha muhimu. Et pour notre terre, na juu ya udongo wetu, une translation dure 365 jours. Kutembea kwao inakuwa na mashiku 365. Pour Jupiter, dû à Jupiter, une translation prend je crois des centaines d'années au-delà. Kutembea kwake kunatembea karibu ya miaka 100 kwenda mbali. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Alors comme nous les enfants de Dieu, sasa vile sisi watoto wa Mungu, nous avons un astre auquel nous devons tourner tous les jours. Tuna udongo kwenye tunapacha kuzungulukia kila siku. Tout au long de notre vie sur la terre, ile tukadiri ya maisha yetu yote pa udongo. Le parcours de notre vie est déterminé. Kutembea kwetu na mwenendo wetu imekwisha tutiliwa. Nous avons chacun de nous une année de sa vie. Kila mtu hapa yuko na mwaka ya kuishi. Un seul tour unique. Kutembea kumoja tu. Dès que vous avez fait votre translation. Ingawa ulitembea tu ile mwenendo wako. C'est fini pour vous. Kunamalizika juu yako. Vous commencez votre translation à la maternité. Unaanza kutembea kwako kuanzia kukuzalikwa. Et vous la terminez au cimetière. Na unaiachia pale takupeleka penga penga. Translation. Cette translation doit avoir comme centre le soleil de la justice, le Seigneur Jésus-Christ. Na ile kutembea kunapasha kuwa na kitu kia muhimu ama kenye kiko katikati inakuwa ni nyote. Faire de Jésus votre centre d'intérêt principal. Mais quand arrivez à l'âge de la raison, tantôt vous êtes là-bas, tantôt vous êtes ici. Tantôt vous changez de trajectoire. Les sons deviennent sensiblement faibles, s'il vous plaît. Et tantôt vous quittez votre ligne de conduite. Vous vous mettez constamment rétrogradé. Anza kurudia nyuma. Vous quittez votre place. Unatoka pafasi yako. Vous vous éloignez du soleil. Unaenda mbali na jua. Vous allez la première chose vous allez vous refroidir. Kya kwanja utafanya wewe utakuwa baridi. C'est ce que Frère Branham dit. Joke nyendo ko Branham anasema. Ni que quand Dieu a créé, asema wakati Mungu aliumba, il a créé le soleil. Aliumba jua. Et puis du soleil. Na kutokea jua, qui était une grande boule de feu incandescent. Enye ilikuwa moto mkubwa iko nazunguka. Qui tournoyait. Ilikuwa nazunguka na kuzunguka. Et là ce sont des tâches de scories. Na kule kukatoka machembe. Qui était aussi des boules de feu parce qu'elle était sortie du soleil. Ilikuwa tu ni machembe ya moto kwa sababu ilitoka kumoto. Et ils ont commencé à s'éloigner du soleil. Na ikaanza kwenda mbali na jua. Et vous savez ce qui s'est passé? Na mnajua kaje kilifanyika? Quand ils se sont éloignés du soleil, wakati ilienda mbali na mwana jua. Baba namedi. Duko Brahma anasema, ils ont commencé à se refroidir. Et ikaanza kuwa baridi. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Na Mungu alifanya nini? Parmi ces planètes où ces scories qui s'étaient éloignées, tikati ya ile machembe yenye ilienda mbali, Dieu est allé, il a commencé à les arrêter. Na Mungu alienda akaanza kuisimamisha. Il y avait le soleil, plutôt il y avait jua. Non,
il y avait la terre, kulikuwa udongo, il y avait d'autres planètes, kulikuwa na ile maplanete ingine tunajua majupiter na bingine bile, voilà, il y avait Mars, kulikuwa Mars, Mercure, kulikuwa Mercure, Jupiter, Venus, Saturne, na Saturne na nous avons étudié tout ça à l'école, enye tulifunza sisi wote kwa somo, il les a arrêtés, Mungu akayasimamisha, comme dit c'était Dieu en train d'écrire sa première Bible, donc vraiment c'est ilikuwa ni Mungu akona andika Biblia yake ya kwanza, c'était les zodiac, ilikuwa ni zodiac. Qu'est-ce que Dieu a fait de la na terre? Mungu nini juu udongo? Parce que parmi ces planètes, il y avait la terre. Kwa sababu katikati ya ile manani kulikuwa na udongo. Dieu est allé de la longue distance où se trouvait la terre du soleil. Mungu akaenda mbali kwa kulikuwa udongo kukatokando na jua. Il a saisi la terre. Akachukua udongo. Il l'a rapproché à une bonne distance du soleil. Akairudisha mukati ya kivukutu mzuri pamoja na jua. C'est ce que Frère Branham dit. Donc il est la terre s'était déjà refroidie. Udongo ilikuwa ilishakuwa baridi. Dieu l'a rapproché. C'est alors que la vie se développe sur la terre. C'est ce qui fait que la terre soit habitable. C'est ce qui fait que la terre ait une bonne atmosphère. Permettant une bonne vie. C'est parce qu'elle s'est rapprochée d'une bonne distance du soleil. Si elle était trop près du soleil, toutes les forêts seraient séchées. Manake, il n'y aurait même pas de l'eau. Il n'y aurait même pas de glaciers. Atama, si elle était trop loin du soleil, elle serait trop gelée. C'est pourquoi là où la terre se trouve aujourd'hui, c'est à une bonne distance. Et c'est ce qu'on appelle la distance habitable. Nous sommes des hommes formés de la poussière de la terre. Nous sommes en quelque sorte des terres. Nous ne pouvons pas être très éloignés de Dieu. Nous ne pouvons pas être très éloignés de la présence de Dieu. Aller trop loin de Dieu, cela nous rend glace. Ça nous refroidit. Être aussi trop près de Dieu, cela nous sèche. Vous dites, mais pasteur, nous voulons être trop près. Il y a des alliés vers lesquels l'homme doit être près de Dieu. C'est pourquoi, pour établir cette distance, il fallait un homme appelé Jésus. Il fallait que Jésus lui-même devienne un homme. Qu'il puisse établir un pont entre l'homme pécheur et le Dieu saint. C'est-à-dire Dieu fait homme. C'est là que l'homme peut être à la distance habitable. C'est là que la vie peut se développer dans l'homme. Je me demande si tout le monde comprend ce que je dis. Est-ce que vous pouvez dire amen si vous comprenez? Et Dieu vous bénisse pour vos amen. 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 C'est pourquoi que vous soyez planète ou astre, vous devez être tout près de Dieu. Dans la distance qui est habitable. Jésus. Yes. Est le seul qui a vu Dieu, ni mmoja tu aliona Mungu, et qui a établi le pont entre Dieu et l'homme. Mwenye alitia kilalo katikati ya mtu na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. 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 Nul n'a vu Dieu. Hakuna mtu alimuona Mungu. Si ce n'est le Fils qui est venu du Père. Isipokuwa mwana mwenye alitoka kwa Baba. Nul n'a vu le Père. Hakuna mtu aliona Baba. Si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Kama sio Bwana Yesu Kristo. Qui est venu du Père. Mwenye alitoka kwa Baba. Alléluia. Amen. Et nous les humains, na asi binadamu, nous avons la possibilité, tuna maeneo, de recevoir les rayons de ce grand soleil. Ya kupokea ile manuru ya kutoka kwa ile jua mkubwa.
par ce grand intermédiaire qui est le Seigneur Jésus. Ne quittons pas dans notre position. Ne quittons pas dans notre parcours. Ne soyons pas distraits et attirés par des choses. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il y a des trous noirs, il y a aussi un trou blanc. La science nous dit que le trou blanc, on ne l'a pas encore découvert. Mais c'est exactement là qu'intervient le mystère. Ils essayent d'expliquer. Ils disent que c'est un peu hypothétique. Mais s'il existe un trou noir, un trou blanc, ça doit être l'inverse du trou noir. Et la matière se dégage. Alors on dit aussi, les hommes de science disent, un trou blanc est aussi appelé la fontaine blanche. C'est là que la parole devient encore plus succulente. Parce que nous pouvons prendre à partir des termes pour les confronter à la réalité de l'existence de notre Dieu. Notre Dieu existe. Alléluia. Amen. Et il est lui-même. Parce qu'elles ne l'ont pas trouvé. Mais nous, nous savons que la grande fontaine intarissable. La grande fontaine blanche, c'est notre Jéhovah. Il s'appelle Jésus. Voilà son Amen. Nom d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Parce que nous savons qu'il existe un Dieu réel. Amen. 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 Frère Branham nous dit, le trou noir, c'est la mort. C'est clair ici. Israël et l'église, cinquième partie. Je peux lire une phrase pour ceux qui n'étaient pas là. Je me rends compte que de l'autre côté, devant chacun de nous, il y a un grand, un très grand trou noir. Nakumbuka nakuona ya kama mbele ya kila mmoja wetu kumbele yake kuko shimo munene mweusi. Une grande porte épaisse appelée la mort. Ile tu mlango munene kabisa ya mweusi inaitwa lufu. Donc la mort c'est ça le trou noir. Manake lufu inakuwa ndio shimo mweusi. Fabana madi. Doko brana manasema que le trou noir c'est la mort. Ya kama shimo mweusi ni lufu. Alors si le trou noir c'est la mort, kama shimo mweusi ni kifo, alors comme le trou noir est l'opposé du trou blanc. Qu'est-ce que l'opposé de la mort? Qu'est-ce que l'opposé de la mort? C'est la vie. Et cette vie-là, on trouve sa source dans Jean 14:6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Cette vie-là, c'est un homme appelé Jésus. Alléluia. Amen. Gloire soit dit à Dieu. Le trou noir attire. Il attire. Tire vers le mal. Il attire vers la mort. Mais le trou blanc attire vers la lumière. Vers la vie. Et ce trou blanc là, c'est Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? La parole était Dieu. Neno ilikuwa Mungu. Le ciel, Mbingu. La terre, Dunia. Passeront. Yote bitapita. Mais alakin, ma parole, neno langu, ne passera pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Toutes choses ont été faites par elle. Vitu vyote vilifanywa kupitia neno. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Hakuna hata kimoja kilifanywa bila neno. Elle est la source, la fontaine de vie. Ya hiyo neno inakuwa chemchemu ya uzima. En elle était la vie. Na ndani yake mlikuwa uzima. Et la vie était la lumière des hommes. Na uzima ulikuwa ni nuru ya watu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il me semble bien quoi il est. Ce ne sont pas des lumières artificielles. Si ma nuru inaonekana ya kufanywa na mikono ya watu. Parce que ces lumières artificielles. Kwa sababu hii manuru ya kufanywa na watu. Peuvent être happées même par le trou noir. Inaweza hata kuvutwa na ile shimo mweusi. Mais la lumière céleste divine. Lakini nuru ya mbingu. Elle fait disparaître le trou noir. Iko na poteza hata shimo mweusi. Merci Seigneur Jésus. Accenti bwana Yesu. Pour l'inspiration. Dieu a ouvert ongozi. Cette parole. Ineno. Du temps de Noé. Wakati ya Noa. Elle a attiré les gens. Ili kokota watu. Elle a attiré les animaux. Ili vuta hata manyama. Et aujourd'hui encore. Na leo maratena. La parole attire. Neno iko na vuta. Amen. Amen. La parole attire. Neno iko na vuta. Elle continue à attirer. Iko na endelea na kuvuta. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham asema. Elle attire ceux qui sont prédestinés. Et wale wali kwale wenye kutayarishwa. C'est la plus grande attraction qui ait jamais existé. Ni mvuto mkubwa yenye asiya kuwaka ako. La plus grande attraction. Mvuto mkubwa. Entrez en Jésus maintenant. Mwingie ndani ya Yesu hapa sasa. Vous êtes en sécurité. Mimi mtakuwa katika ukingo. Parce que Jésus. Kwa sababu Yesu. Est la seule personne qui ne peut pas être happée par le trou noir. Ni mtu mmoja tu ule haizi kumezwa na ile tushi mweushi. Beaucoup de pièges se trouvent aujourd'hui dans l'univers. Katika ulimwengu kuna mabiteko mingi kabisa. Aujourd'hui, Léo, pas seulement que les gens vont à l'extérieur pour aller tomber dans des pièges, mais le diable a approché ces pièges, ces trous noirs, près des enfants de Dieu. Il les en a approchés sur un plateau, tout près d'eux. Pembeni kabisa nabo. Et quelqu'un se retrouve Amuto anajikuta dans le trou noir. Ndani ya shimo mweusi. Et il meurt, il est séparé éternellement avec Dieu. Anakufa anatenganishwa lote na Mungu. Influencé par mwenye kuvutwa na la mort. Na lufu. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise Mutu akata anajaribiwa shiseme c'est Dieu qui me tente. Ni Mungu mwenye ananijaribu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Kwa sababu Mungu haizi kujaribiwa na vibaya. Il ne tente lui-même personne. Na yeye hachijaribu mtu. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lakini kila mtu anaacha kuvutiwa anaacha kugusiwa na manani kwa sababu yeye anakokotwa na kupitia tu tamaa yake. Puis la convoitise. Na kutamania. Ça c'est les yeux. Hii ni macho. La convoitise. Inatamani. Les yeux, c'est l'une des portes. Mecho, inakuwa ni mmoja wa ile mlango. C'est l'un des échappements. Ni mmoja tu wa kikimbililio. Nous allons y arriver. Totafiki yako. Et quand les yeux ont vu, na wakati macho liona, ils convoitent. Inaanza kutamania. Le cœur commence à convoiter. Moyo inaanza kutamania. Et là interviennent maintenant na pale panakuwa sasa, les raisonnements et toutes sortes de choses. Mafikiri na ile yote inafuataye. Et la Bible dit na Biblia nasema, lorsque la convoitise a conçu, wakati tama yo ilichukua, elle enfante le péché. Iko nazala tu paka nzambi. Et le péché na zambi, qui est le bébé de la convoitise, yenye inakuwa mtoto wa kutamania, étant consommé, sawa vile amekwisha tumiwa, produit la mort. Analeta sasa na kuzala lufu. Le trou noir. Ile toshi mweusi. D'où je vous ai dit le mercredi. Na pale nilimeoneja siku ya tatu. Au lieu de dire. Pale ya kusema. Que j'y entre d'abord. Ningie mombele. Je sais comment je vais m'y sortir. Ah, mimi najua namna gani mitatoka. Mieux vaut ne pas s'y approcher. Kumbi ni mzuri shipima hata kukaribia pembeni. Beaucoup de gens disent, le diable m'a eu. Comment vous a-t-il eu?
namna gani alikubamba. Il ne peut pas vous avoir si vous êtes dans les troubles. Achezi kukubamba kama wewe uko mushimu mweupe. C'est vous qui êtes allé dans son camp. Ni wendo urienda kachezea kumpembeni ya kambi yake. Puisque pour qu'il puisse vous avoir, kwa sababu njo ya apate kukubamba, il faut, si vous êtes dans les troubles, kama wewe uko tu mushimu mweupe, il faut d'abord, inabidi kwanza, que Satan, ya kama Satan, soit justifié. Yeye apate kuhesabiwa haki, sanctifié, kisha yake anyoshwe na damu, baptisé du Saint-Esprit, kisha yake abatizwe na Roho Mtakatifu. Et là il devient votre frère. Sasa pale ashinda tena Shetani na kuwa ndugu yako. Parce qu'il ne peut pas arriver là où vous êtes si il n'emprunte pas la même voie par laquelle vous êtes. Ajezi kufika pale wewe uko kama shitembea mubarabara moya moya sawa vile tutatoka mkunjitai. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont allés trop près de la frontière. Bamiki barienda kumipaka. Et ils commencent à condamner le diable. Na banaanza kumhukumu Shetani. Il commence à dire kusema, le diable m'a eu. Shetani alinibamba. Mais comment il t'a eu? Tata alikubamba je. Kama ukwenda kumchokoza. Parce que le diable, jo Shetani, il est très rusé. Yena yeye ni mjanja mkalamushi. Il y a partout des pièges. Pali pote kuko tumiteko. Qui vous sont tendus. Yenye banaisha kukutekea. Vous marchez les regards fixés sur Christ. Uko natembea we macho yako yenye kuangalia Kristo. Et souvenez-vous. Na mkumbuke. Quand vous faites une erreur. Wakati mnafanya kosa. Un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Mkristo wa kweli atarudia kwa haraka kabisa apate kutengeneza. Quand vous faites une erreur. Wakati unatenda kosa. Vous viendrez rapidement. Utarudia na mbio yote. Vous réconcilier. Njoo utengeneze. Et c'est là que je me suis posé un tas de questions. Quand il parle, il commence à parler de l'arche de Noé. Donc, il dit dans l'arche de Noé, il y avait les corbeaux. Il y avait aussi la colombe. Dans la même arche. Ils ont écouté le même message. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, na sasa, qu'est-ce que Noé fait? Noé anafanya nini? À la fin du périple. Mwisho tu ya ile mvua. Frère Bana me dit. Boko Bana masema. C'est là que je prends maintenant parce que c'est par là que nous nous sommes arrêtés. Ndio pale ninachukua kwa sababu ndio pale tulisimamia. Regardez bien dans l'arche. Mwangalie mzuri tu ile safina. Il a lâché ses vieux corbeaux. Mwe na akatuma ile tu kunguru mkubwa. Plutôt Noé a lâché ses corbeaux. Ama Noé akatuma ile kunguru. Oh, qu'est-ce qu'il était? Na alikuwa nini? Il était un corbeau. Yeye kunguru. Oh, certes, il s'était perché là. Kweli kweli balikuwa amekikala pale. Sur le même perchoir que la colombe. Benye kuikala pale moja na yule njiwa na yule uwa. Les deux s'étaient perchés sur le même perchoir. Bao bote bawili balikala fasi moja. Mais quand il a lâché ses vieux corbeaux. Na wakati alimwacha huyu mkubwa kunguru. J'imagine que toutes ces os étaient mauvais. Na anza sentait mauvais à cause des millions de corps humains. Mimi naanza kuwazia kama yeye alienda pale anakuta vitu vyote viko nanuka kwa ajili ya bili vilikuwa vya kosa. À cause des corps humains gonflés. Kwa ajili ya ile mamili ya kuvimba ilikuwa pale ya kunuka. Beaucoup de gens étaient morts. Na watu wengi balikufa mwakati ya Noa. En décomposition. Bena bako naoza. Qu'il y avait sur l'eau. Bena ilikuwa njwa maji. Et les chevaux des animaux qui étaient tous morts. Na manyama yenye ilikuwa ilishakufa. Le monde entier était détruit. Dunia yote mzima iliharibishwa. Il y avait la vieille charogne qui flottait sur la surface de l'eau et tout. Kulikuwa kule. Je saute un peu. Ile vitu ya koza biote bilikuwa na tembea juu ya maji na biote naruka. Parce que nous avons déjà lu ça. Et il voulait savoir si le niveau des eaux avait baissé ou non. Na alipenda kujua kama maji ilishuka hapa. Il a lâché le corbeau. Anamwacha kunguru. Et le corbeau est allé se poser sur un cadavre. Na kunguru anaenda nekala pa maiti. Oh, formidable. C'est bon, vous voyez? Ni mzuri unaona? Il mangeait un cadavre. Alianza kula maiti. Pourquoi? Jua nini? C'était sa nature. Ilikuwa ni hali yake. Le corbeau était corbeau déjà. Kunguru alikuwa paka kunguru. C'est ce qui a fait qu'il puisse aller comme ça. Donc il mufanya pate kuenda na akakale pale vile. Il est allé définitivement. Na rienda naendelelea mkure mama iti. C'est pourquoi même quand nous entamons une procédure de Matthieu 18 contre quelqu'un. Donc comment hata kama tunaanza tu mwenendo ya Matthieu 18 juu ya mtu mmoja. Savez-vous ce que la Bible dit? Munajua kile Biblia inasema? Nous pouvons le lire. Tunaweza kuisema. La Bible dit, Biblia nasema, Matthieu chapitre 18. Matthieu sura ya 18. 15. Si ton frère a péché,
Kama ndugu yako alitenda dhambi, va et reprends-le entre toi et lui. Wende umuchukue na katikati yako wewe na wewe naye. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Kama anakushikia ulimvuta ndugu yako. Mais s'il ne t'écoute pas, lakini kama asikushikie, prends avec toi une ou deux personnes. Chukua mtu mmoja wala wawili. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Anakia kuhusu vyote mtasema bikwe na ushuhuda wa watu wawili au watatu. S'il refuse de les écouter, kama anakatala kubashikia, dis-le à l'église. Uioneshe kanisa. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, na kama anakatala kusikia pia kanisa, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Akwe kwako sawa mupagano na mtu tu munafiki. Je vous dis en vérité, mina mionecha katika ukweli, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Yeyote nini mutafunga pa udongo na kumbingu bataifunga vile vile. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Na byote mutafungula chini ya udongo bataifungula pia leta kumbingu. Les enfants de Dieu vont se réunir, batoto ba Mungu batakusanika, et ils vont délivrer cette personne. Na batamu kombo ule tuku. Ils vont délier cette personne. Batamufungula ule mutu. Écoutez encore. Musikie tena. 1 Corinthiens chapitre 5. Wa Korinto wa kwanza sura ya 5. Verset 1. Mustari wa kwanza. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous. Tunasikia kwa wote wanasema katikati ya kama katikati yenu kuko de la débauche. Kuko tu uzinifu. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Uzinifu munamna kusema hata kwa pagano haina vile. Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ni mukufikia kama mmoja wenu ayoko tena baba bibi wa baba yake. La débauche. Busharati. Imaginez-vous. Mwaziye kombele. Dans une église des croyants du message du prophète Paul. Mukanisa ya baaminifu ba mujumbe ya nabii Paulo. Quelqu'un dans cette église, mutu mwile kanisa, vivant dans la débauche, eko naisha katika usharati, avec au plus forte raison la femme de son père. Tena ashitembea tena mtu wa bula lakini na bibi wa baba yake. Et Paul commence à réprimander l'église. Na Paulo anaanza kufokea kanisa. Il dit, anasema, et vous êtes enflé d'orgueil. Na nini mnajazwa na biburi? Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Na pale amukukua hata mukuomboleza ama mukuzunika pamoja naye. Lorsque un frère parmi nous pêche. Wakati ndugu katikati yetu anatenda dhambi. Ça devait amener l'affliction. Ilipasha kutupatia huzuni. Ça devrait nous attrister. Et qu'est-ce que Paul dit? Na Paulo anasema nini? Vous n'avez pas été dans l'affliction. Amukukua hata katika huzuni. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Dieu ya kusema ule alitenda ile tendo apate kutoshwa katikati yenu. Pour moi, Dieu yangu ni Paulo. Absent de corps. Mwenye tu kwa pamoja na mwili. Présent d'esprit. Na karibu j'ai déjà jugé. Mimi naisha kukumu. Comme si j'étais présent. Utaona sasa nilikuwa karibu. Celui qui a commis un tel acte. Ule alitenda tendo kama ile. Au nom du Seigneur Jésus. Mujina ya Bwana Yesu. Et vous. Na nini? Et mon esprit. Na roho yangu. Est ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Enye kwa pamoja na ile uwezo ya Bwana Yesu Kristo. Qu'un tel homme soit livré à Satan. Ule mtu wa vile atolewe kwa shetani. Pour la destruction de la chair. Juu ya kuharibishwa kwa mwili wake. Afin que l'esprit soit sauvé. Ili roho yake ipate kokolewa. Au jour du Seigneur Jésus. Siku ya Bwana Mungu. Pourquoi on livre quelqu'un? Juu ya nini banatoa mtu? L'objectif kifukuzio, c'est de sauver l'esprit de cette ni personne. Ni ya kokoa roho ya ule mtu. C'est de faire que cette personne ni kufanya kama ule mtu puisse revenir en rampant. Apate kurudia kumagoti. Parce que cette personne, kwa sababu ule mtu, si elle est vraiment une colombe, kama kweli kweli ni njiwa, qu'il pleuve, qu'il neige, elle va revenir. Ipende wala hapana atarudia. Mais si c'est un corbeau, alakini kama ni kunguru, vous le livrez entre les mains de Satan. Demain il achète le véhicule. L'autre jour il construit les étages. Il commence à prospérer. Anaanza na kubicheka sema mwe vile vile kana. Fetiche il va dans. Anafanya na madawa na anaenda kumbele. Qu'est-ce que cela fait nous montrer? Sasa ile nataka kutuonesha nini? Ça va nous prouver. Itatuhakikishia kama cette personne ya kama ule mtu était un corbeau au départ. Alikuwa kunguru kumwanzo. Frère Branham dit. Duku Branham sema. Quand Noé a lâché le corbeau. Wakati Noé alimwachilia kunguru. Le corbeau s'est retrouvé à l'aise. Kunguru alijikuta kule mufura. Frère. Duku. Juste
un petit voyage. Ka mwendo tu kaloko bana kuacha ka 3 jours. De Kasumbalesa. Ya ufike tu pa Kasumbalesa pa urudi. Ici tout près. Paka hapa pa Kasumbalesa uyaenda na mbari. Tu as déjà des femmes. Donc unesha kuanza babibi. Na lutuku. Juste un petit moment où on te laisse seul. Paka kale ka 1000 au ka 2000 Mungu anakuachia yako. Tu commences à chercher des femmes. Kunaisha, wewe unakuwa déjà batano musambo, wewe unaenda na kuambagaza wengine. C'est ce que je disais le mercredi. Tu kile mbele ndakusema kwa sababu. Depuis que Agapa a commencé. Tokea tu Agapa ilianzaka. Depuis nous sommes dans la maison. Tokea tu ko munyumba. Tu étais là. Wewe ulikuwa kapale. Aujourd'hui nous avons presque 8 ans. Leo tunenecha na miaka 8. Tu es Mwagapao. Uko paka Mwagapao. Mais tu es toujours bébé éternel. Alakini wewe uko paka mtoto wa kumashiba. Toujours la même personne. Uko paka ule nduku ule. Quelque chose qui ne va pas. Ah, kuko kintu kiendeki. Uko nakasheleleka. Il y a un trouble dans ton fonctionnement. Kuko kintu kiendeki tu mukutembea kwako. Tu n'as jamais lu une brochure de Bonjour Frère Neville jusqu'à que Dieu vous bénisse. Amen. Ah oui, à ce moment-là, brochure, on est en train de parler de Dieu. Je vous salue, on a fait qu'un accumulé. Ah. Vous vous imaginez une personne comme ça et on l'appelle croyant du message? Mukono wazi moto wa vile shato kuna muita bien aimé. Mes amis. Bando kuyangu. Ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Kile kiri tufanya tukua hiki tunakuya. Tel que je me tiens devant vous. Paka hivi nashima mbele yenu. C'est la lecture. Ni kusoma kwa mjumbe. La lecture a un pouvoir. Kusoma kwa ujumbe kuna nguvu. Quand vous lisez. Wakati uko nasoma. Plus vous lisez. Zaidi uko nasoma. Vous devenez ce que vous lisez. Uko naenda na kukuya kile uko nasoma. Les frères d'Agapao. Alakini banduku ba Mwagapao. Lisez le message. Kusome mjumbe. Vous dites que je n'ai pas étudié. Munasema mimi sikusoma. Mais quand tu pars. Sasa wakati unabeba Facebook. Tu voyages en Angola. Unaenda huko na Angola. Tu bebe tu pas Facebook. Sur Facebook tu réussis à lire. Pas Facebook unasoma kaje. Moi j'ai vu ce message. Mais miliona hii mjumbe. Prendre une lettre. Iko na baba mtu ashafunde première. Quelqu'un qui était en 3e primaire. Angalia mama umuzee ashafundaka alikuwa mtu 3e primaire. Cette personne. Kubeba ule mtu. La rendre civilisée. Anamupeleka kwa mwenye usilimu. Cette personne. Ule mtu. Devient prédicateur de la parole. Anakuwa tena na mhubiri wa neno. Prêche puissant. Na yako na mhubiri na uwezo. En français. Mu français. Yenyoshe kufundaki. Wewe ukuchie. Kajuwe wewe. Je dis ces choses avec un cœur qui sait. Niko nebisema na roho iko natoka damu. Les anciens frères et sœurs du message. Banduku bazamani badata na banduku. Ce message tel que nous le prêchons. Et mujume pa kevitu kuna yubi. On le traduit en swahili. Tuko na geuza mswahili. Si vous ne comprenez pas le français. Kama uelewe mu français. Plus nous sommes en train d'évoluer. Zaidi tu connais dans la kusonga kumbe. Tu vas finir par connaître le. Angaria utashtukia pa shikumuonesha kusoma. Tu vas au marché. Unaenda ku ngosoko. Tu trouves on a écrit alimentation boutique d'habillement. Banesha kuandika pale boutique d'habillement. Et vous savez qu'ici c'est la boutique d'habillement. Na weye aufunde. Ici c'est le supermarché. Ah ukufunde unajua sema ah umu ni mu supermarché, umu ni mwa manguo, umu na moni mwa alimentation. Mais vous ne savez pas découvrir que ça c'est la brochure appelée Alakini aujourd'hui tu comprends la teaching de l'évangile. Ii ni les soins du temps de la fin. Vous connaissez seulement supermarché. Ouais on a eu paka WhatsApp. Vous manipulez très bien les téléphones. Angada téléphone une iPhone et tembesha utaona saa ulifunda kata informatique. Mais vous savez où entrer où sortir. Une acha kuya pa kuingilia pa kutokea na pa kuweka fenêtre. Mais le message vous ne le manipulez pas. Alakini mchumbe uipima kata karoko. Qu'est-ce que je dois dire? Comment je dois parler? Nibi seme namna kani? C'est ce qui fait que lorsque des frères se rencontrent, trois frères se rencontrent, comme ils n'ont pas la matière, leur causerie, ça sera les autres. On commence à parler des autres. Ça sera les autres. Et un des frères du message, d'Agapao Tabernacle. Parce que
ils n'ont pas l'attraction vers l'évangile, vers le message. Faites quand même l'effort. Quand vous vous réunissez, trouvez quelque chose qui fait que votre causerie soit ait comme centre la parole, le message. Le seul message que vous vous connaissez, c'est seulement c'est ça le message. Mais toutes les prédications que nous parlons, j'ai trouvé des sœurs qui connaissent le message plus que beaucoup de personnes. Je vous dis la vérité, non sœur ici, j'ai trouvé des sœurs ici qui connaissent le message et pas même qu'elles ont étudié. Mais seulement ce que je suis en train de prêcher ici, elles retiennent. Parce qu'elles sont à l'église tout le temps. Et je peux témoigner. Beaucoup de sœurs ici qui étaient d'un col autrefois ont déjà changé. Elles ont changé. Mais toi, le frère, ce message hein, a un pouvoir multidimensionnel. C'est polyvalent. Dans tous les domaines. Vous voulez aller dans quel domaine? Le message connaît ça. Le message vous conduit dans ça. Vous voulez aller dans tel domaine? Le message vous dirige là. Le message est multidimensionnel. Mais vous avez des frères qui veulent être toujours dorlotés aujourd'hui, 8 ans après. Il était là. Dans la maison, vous savez, dans la petite maison, j'étais là. Il y a des photos. Tu étais là, qu'est-ce que tu es devenu? D'abord des petites choses, la dîme, tu ne veilles pas. Il faut toujours qu'on te. Et tu fais entrer le péché dans l'église. Quand tu as même le courage de commencer à causer avec une femme qui n'est pas ta femme, tu fais des aventures avec cette femme-là, tu commences à causer avec elle dans les télé. Je t'ai dit toi, je te prêche toi frère. Et j'ai dit ça parce que je connais que c'est toi qui as fait ça. Na mina sema ile kwa sababu unajua kama ni wewe ndio ulianza ile maisha mbaya. Nous devons aller avec vous jusqu'où? Twende na mwe paka wapi? Jusqu'où? Tufikie wapi? Toujours bébé. Wewe uko paka katoto. On ne fait que te porter. Wewe uko paka wako beba. Tu marches des pas, trois pas, tu tombes. Unatembea kwa biwili, kichwa kinene unaanguka kampo. Avec une tête macrocéphale. Una kichwa kimoya kampo na angalia kilima huko. Au kome yake. Dans la tête là, il y a de l'eau ou il y a quoi? Mule mumamu kichwa mule muko mayi. Wewe ube muko nini? Quelqu'un qui ne grandit pas. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son système spirituel. Et je vous ai dit, je ne suis pas au temps de vous dorloter. Maintenant c'est vous chicoter. C'est le soir qui détermine nos horaires. Nous allons savoir si vous êtes corbeau ou vous êtes colombe. Vous me dites?
Pourquoi le corbeau est allé comme ça? Dieu a dit le corbeau. C'était sa nature. Il était un corbeau. Peu importe combien de temps il était resté avec la colombe. Combien de fois il avait entendu nos combien de temps il était resté avec cet oiseau? Peu importe combien de temps il avait entendu Pasteur Richard prêcher. Il était un corbeau. Dès qu'il a eu l'occasion de se montrer sous son vrai jour, il l'a fait. Il y a des gens qui ne pêchent pas, pas parce qu'ils sont des chrétiens, mais parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Pas parce qu'il craint Dieu, mais parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de pécher. Joseph s'est trouvé devant un trou noir. Yusuf a dit, et il a détecté ça. Écoute avec moi, il n'y a pas moyen. Comment tu commences avec moi de les yeux tout comme ça? Commence les yeux tout avec moi comme ça. Je m'éloigne directement. Je sors de là. Mina toka mo. Tu te fâches contre moi, tant pis. Unanishirikia, je m'en fous. Si la nourriture que je mange tous les jours, c'est toi qui me la donnes. Kama chakula mina kulaka shiko ato wanjo nileta yaka yo. J'accepte de passer nuit affamé. Mina chikiri lale nanjala. Si c'est toi qui me donnes l'argent, kama ni wanjo nikaburiaka konfranga. Alors ne me donne plus ton argent. Kumi uniache nikufwe. Dieu va pourvoir. Mungu atatayarisha. Et Dieu pourvoir. Na Mungu atatayarisha kweli. Je ne peux pas vendre mon droit de naissance comme ça. Mtoto wangu haki ya mtoto wangu hapa bila pana. Quand quelqu'un ne change pas, wakati mtu ashibadilike, c'est un corbeau. Ule ni kunguru mtupu. Mais par contre, quand il a lâché la colombe, alakini pa kinyume pala riacha tu njiwa. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle s'est envolée, fiu, wakati njiwa lifiu, elle n'a pas pu supporter ça. Ashikuweza ta kukaribia kule. Elle n'a pu aller nulle part. Ashikuenda pali hata pamoja. Elle n'a pu trouver aucun lieu où poser la patte. Ashikupata fazi ya kuweka mikulu yake. Alors, na pale, elle est revenue dans la arirudia katika safina. Et c'est comme ça. Nancho vile. Voilà la nature de la colombe. Cho mwenendo ya njiwa. C'est un oiseau casanier. Yeye anakuwa ni ndeke moja msafi. Elle part, anaenda, elle revient, anarudi. Je ne veux pas que le pasteur sache. Donc, on a des mambou qui entre nous. Mais Dieu finit toujours par faire que le pasteur sache. Alors, qui ne mungu qu'on a fini sur tout pareil secret, le rionnez à ta bébé, qu'on a ces mots tout chungé chez Benyo. Toi, sœur, oui, dad. Tu as quelqu'un de l'extérieur qui veut t'épouser. Uko na mtu moya wa inje mwana mai moyo wa mapantekotisa ntafuta kuko. Tu dis que je ne veux pas que le pasteur, ton pasteur. Anakonesha sema mimi sipenda ta pasteur wako yue. Tu veux te prostituer ou tu veux te marier? Ouais, uko nenda mu hotel ou bien unaenda kaoa. Je te vois. Mungu eko na kona. Et dès que tu attrapes la grossesse, na wakati tu ndoko anakuwa anakuwa unapata mimba, nous t'exposons ici. Cheye hapa kile kuna Matthieu 18 kapata. Parce que tu as la facilité de mentir le pasteur. Tu uko na bwepesi wewe unaweza kulanda tu pano kwa kwa mlanda na pasteur. Aka bwana mwaka. Aka pasteur wanya aka wapi? Na hivi unaniona. Très bien. Haina mzuri, haina mambo wewe twende kumbele. Un jour, Chikumoya, nous allons t'attraper. Wow, tashika pa kapata golo, allez. Tu n'appelles qu'à Sukume. Frère me dit, la colombe n'a pas pu digérer ça. Tu vois, Chikufumili, il est. Mais ce que vous ferez, à la kinibile mtafanya, il dit, il peut arriver qu'on vous lâche pendant un petit moment.
Pour voir ce que vous allez faire. Mais ce que vous ferez toujours, si vous avez une nature de colombe, vous ne pourrez pas manger la nourriture de corbeau. C'est tout. Elle ne peut pas être digérée. Parce que la colombe ne mange que des choses pures. C'est ce qui entre dans sa bouche. Anakuriaka paka bintu safi, njo kile kinafanyaka. Où iriez-vous? Utaenda wapi? Que feriez-vous? Na utafanya nini? Dites-moi ce que vous feriez si vous étiez. Unioneshe kile utafanya kama ulikuya. Si vous n'étiez pas un chrétien. Kama ukukuwa mukristo. Qu'est-ce que vous feriez? Utafanya nini? Vous iriez où? Uriez upasha kwenda wapi? Dites-moi ce que je ferais moi Branham ce matin si je n'étais pas un chrétien. Unioneshe kile milipasha kufanya mimi Branham kama mimi sikuwa mukristo. Que ferais-je? Que pourrais-je faire ce matin? Alors que ma mère est alitée là-bas à l'hôpital. Dans cet état-là. Qu'elle est inconsciente et alitée. Aurais-je le cœur à me tenir ici à la chair pour prêcher? En donnant l'impression que je n'en fais pas grand cas. C'est parce que je sais que ma mère est sauvée. Je sais qu'elle est sauvée. Je sais en qui je crus. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et toi, tu es la porte du 1er mars 59. Kidogo ni mulango ya mwile le 1er mars 59. Au point 154. Nukta 154. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Ufalme wa Mungu inafanana na mtu alitupa makila mmaji. Et quand il a ramené, na wakati alikokota, il contenait des tortues marines. Murikuwa mule biula. Des tortues d'eau douce. Murikuwa biula bia maji ya maji ya kuikala. Des serpents. Na banyoka. Des grenouilles. Murikuwa manzobio. Quelques poissons. Na tumasamaki kidogo. Ce n'était pas lui de décider lequel. Alikuwa Il a simplement tiré les filets sur les rues. C'est, frère Banamé dit, c'est ce que fait l'évangile. C'est ce que nous faisons. Billy Graham, Oral Robert. Billy Graham, Oral Robert. Moi-même et tous les autres prédicateurs de l'évangile. Nous jetons les filets. Et les ramenons. L'église, c'est un filet. Ça attrape les gens de toutes sortes. Inabamba tu bantu ba ina les serpents sont là. Banyo kabe kwamo. Les grenouilles sont là. Biula na bipata les crapauds sont là. Na bazobia ikwamo. Et les poissons. Sont et quand ils sont là, na wakati ba kwa, et je les présente, je dis, les voilà Seigneur. Mina bato, ana, mina bonja, Mungu bo ba, bo ba. Qu'est-ce que nous faisons chaque ça, fois ça, nini, tofanya, jioni, yote. Nous découvrons qu'avant même que vous puissiez vous occuper d'eux, ils sont déjà retournés tout droit dans les temps. Comment se l'expliquer? C'était une tortue marine pour commencer. Cela ne l'a pas changé de se faire prendre dans le filet de l'évangile. Nous sommes en train de grandir. Tu as déjà 4 ans. Unaisha kwa na miaka 4. 3 ans dans le message. Miaka 3 mu mjumbe. Umu mwaga pao. Paka umu mwaga pao. C'est déjà assez. Chinesha kwa ya mingi. C'est déjà beaucoup. Inesha kwa ya mingi miaka. On ne peut pas continuer à vous traiter de la même façon. Qu'on traite un frère ou une sœur qui vient de venir au message. A tout endelea na kumbembelesha. Vile tutabembelesha ule nduku au dada anatokea mtu mkuu ya peko juma moja. Hapana. Vous êtes déjà une grande personne. Unaisha kwa mtu mkubwa. L'autre là peut venir avec des mèches. Mwingine anaweza kuata na ma mèche ya rouge. En couleur même. Sa zingine na ya blanc yenyewe. Viens. Anakuya. Et ça sort. Anaikala. Dis ma sœur. Nasema dada. Voyez, vous onaona, voyez. Unaona, unaona. Ah, ndio vile pasteur. Mishi kujua lwangu. Na yeye baki nangaite. Mais toi quand tu fais ça? Sasa wewe ukapima sema ndio ulifanya. On te chasse comme ça. Ni kukufukusha ça. Avec les doigts. Tena na kilole paka bae. On a un zamouende. Le huissier me traite, moi. Le huissier, on a une fougue, je suis la femme de quelqu'un. Mais il n'y a pas de bibou à monte, bibou à monte, inje.
Le quelqu'un le plus quelqu'un, c'est Jésus. Quelqu'un tu dois être l'épouse de Jésus. Na una pasha kwa bibi arusi wa Yesu. On est placé ça. On est affiché à l'atmosphère. Toi, tu fais avec l'atmosphère de Dieu, toi. Ouais, il y a pas le danger quoi. Na ile mama je lui assemble l'atmosphère à Mungu. Avec cet habillement là. Na ile kuvuala unaisha kuache sexy. Il quoi ni à Mungu. Fais bonhomme lui. Donc vraiment c'est. C'est une tortue. Ariko paka nkuvu. C'était une tortue d'eau douce au départ. Ariko tu ni paka kale ka nkuvu ka mumaji ya bariti. C'était un serpent au départ. Na ariko paka bile kuanzia. C'était une hypocrite. Ariko munafiki kuanzia. Avant même qu'il ne mette les pieds à l'église. Kabla yeye kuya ta mkanisa. Il n'avait même pas le désir de cesser de boire. Achikukua ta na hamu ya kuacha kunywa kwa kilauri. De parier. Na kwenda katoa makuta. Frère. De fumer, na kufuta, de mentir, eko na landa, ou de voler, ama kuiba. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Aringi ya tunjo eraza kongo pasama nita ina mungena. Vous en devenez meilleur candidat. Unakuya tu mmoja tu candidat wa bya kweli. Vous devenez meilleur candidat de l'enfer. Unakuwa pale njo unajidesine mzuri njo kwenda mungena. Lorsque vous faites cela. Pale uko unafanya vitu vya bibi. C'est vrai. Ni kweli. Étroite la porte. Na kidoko ni mulango. Et resserrer les chemins. Na ile kidoko kabisa ni njia. Yana ke peu. Na kuko kiloko tu pale wanaipataka. C'est Matthieu chapitre 7 verset 13. Matayo sura ya 7 mstari wa 13. Entrez par la porte étroite. Muingirilie kwa mlango kaloko. Large est la porte. Kwa sababu ile munene inakuwa ni ile mulango ya kupotea. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Jo ile munjia iko napeleka kukupotea. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Na kuko ba mingi kabisa wanaingiria kule. Mais étroite est la porte. Lakini kiloko ni ile mulango. Resserrer le chemin. Na kabarabara ke kaloko kabisa. Qui mène à la vie. Yenye iko napeleka paka kuuzima. Pour aller au trou noir, tu y a kuenda mu chimu mweushi. Il y a un chemin. Kuko balabala. C'est un chemin large. Ni kinjia kabambi. Le chemin de la facilité. Kinjia tu kia kepesi. C'est le chemin où tout vous est permis. Ni munjia mule bana kuweza. Ah ndu kwataka mona pika. Ah kuna mambo. Ce n'est pas mal de faire ça. Ah ndu kwapana ina mbaya kufanya. C'est pas mal d'agir. Ah kuna ushikunye kabondo hivi hapa. C'est pas mal de faire comme ceci. Hapana bana sema sema hii si crée muko mpombe hapana kunywa. Je prie des fois pour des gens. Sa zingine nombe akabantu. Et parmi ces gens, même les dénominationnels et tout ça. Na katikati ya bale bantu minaombea katina bantu wa mazehebu na bengine vote. Et on a donné mon numéro à une sœur des États-Unis. Na bali mpachia ni namba yangu sœur moa mu Amerika. Et je devais prier pour elle. Na miri pasha kumombe. J'ai dit, il faut activer l'appel vidéo pour que... je puisse t'orienter comment tu dois faire les conduites que Dieu a dit. Nilimuonesha kama inapaswa ufanye ile appel video njoo nipate kukuonesha namna gani Mungu anasema. Ça doit être à 12h. Inapaswa kuwa na saa 12h. Arrive à 12h, prrr, l'appel sonne. Saa kufika saa 12h, prrr, anadada na. J'ouvre, j'étais dans mon bureau là, j'ouvre. Nilikuwa mu bureau mimi naangalia. Eh, je regarde. Naangalia. La sœur est en bras cassé. Dada anaisha kunivuaria kwa single. Niangalie mu téléphone ou bien niangalie. Mungu wangu. Natala na telefone to natala pembe. Bana mwambie, on lui a dit que le pasteur va prier pour toi. Bari mwonesha kama pasteur atakuombe. Elle m'a appelé. Ya ananita na kunita. Il fallait bien porter. Mais je n'ai pas ce qu'on parle à Yishima. Donc, là, le monde, c'est comme ça. Moutouni a bon évile. Les dénominations là. Moumazeb moule. Ils ne font pas venir en collant à l'église. Ouais, dada n'est-ce qu'il y a pas d'année, je peux pas le voir que castring. Mais nous, ici, nous avons des gardes fous. À la kine ou moumoué, tout qu'on a bien à Koutchunga. Nous avons des gardes fous. Tout n'est-ce qu'on a ma barrière à Koutchunga. Resserrer le chemin. Kini kaloko ta kanjia. Pour eux. Dieu a beau. Nous devons faire de ce message le centre de notre attraction. Merci Seigneur Jésus. Le chemin qui mène à la vie. Ce n'est pas un chemin large. Ce n'est pas un chemin spacieux. Ce
n'est pas une large porte où tout est permis, où tout est facile à faire. Mais c'est un chemin du sacrifice. C'est une petite route étroite. Une petite porte. Une petite. Vous convenez là-bas seulement seul. Ce n'est pas la porte de nous. C'est la porte de Dieu. Soyez seul avec Christ. C'est pourquoi je vous somme. Vous les nouveaux. N'ayez pas vos regards fixés sur les anciens. N'ayez pas votre attention fixée sur les anciens. Quand les anciens de l'église mènent une certaine vie, ils oublient qu'ils sont des influenceurs. Ils oublient qu'il y a quelqu'un qui les prend comme exemple. Parce que c'est lui qui vient d'arriver. Il ne va pas se mettre dans la danse. Ils arrêtent. Ils regardent à gauche. Ils voient comment les autres dansent. Alors, ils commencent aussi à danser. Et sachez que tous les jours, Agapao est toujours en train de recevoir des gens. Agapao anengishaka paka basasi. Il n'y a pas un jour akuna shiku où vous allez vous comporter avec légèreté. Ile utajitoa la mbele tu na vile unapenda. Pensant que ces jours-là, il n'y a pas de nouvelles personnes. Tous les jours, il y a de nouvelles shiku yote kuku wasasa. Frères et sœurs. Nduku na dada. Et je vous dis des choses concrètes. Na mine mionecha bintu bya kueneyana. Vous allez remarquer mutaona kweli que si vous les anciens ya kama kama mwe bazamani au milieu de la semaine vous les faites, vous ne venez pas. Kama mukatikati ya juma mwe bazamani amkuye mbele. Les nouveaux qui viennent là. Bageni bale bari kuya hapo. Ils regardent aussi. Banaangalia na boat ma Pendente kukaji mimi. Il avait les ailes. Sa zingine alikuwa na ile bidii. Je connais des frères ici. Mimi na yua banduko hapa. Quand il venait à peine d'arriver, tous les jours il est au culte. Tous les jours il arrête son travail, il est au culte. Mais à un moment donné, mais moi, j'ai vu seulement aujourd'hui, il est venu. Demain il ne vient pas. Je l'appelle, je dis frère. Si, comme on a dit, toi, regarde à Dieu. Angari ya Mungu. Je vois le frère comme s'il était dans un sommeil. C'est comme s'il y a une influence qui veut. Il a recommencé. Tous les jours dans la semaine. Parce que nous nous plaignons. Nous disons, vous les frères, vous venez à l'église. Parfois, on n'entre pas dans les détails. Vous venez à l'église seulement le dimanche. Au milieu de la semaine, vous n'êtes pas là. C'est seulement le dimanche. Tous ces frères-là ont suivi l'influence des premiers frères. Frère, même votre façon de recevoir la parole. Je vous dis, ça influence. J'ai un autre thème. Que j'ai intitulé Venez les gars. Venez les gars. Venez les gars. Je vais parler de ces choses. Vous ne vous rendez pas compte que chaque mouvement que vous faites, ça produit des effets. Ça prêche. Quand tu viens en retard, les nouvelles personnes qui viennent là, elles se rendent compte que
Il y a une certaine légèreté. Même s'il ne peut pas le dire dans la bouche. Mais il le perçoit. Il perçoit ça. Tout le monde fait ça. Maintenant, moi, je vais faire. Mais tout le monde fait ça. Celui qui est ici fait ça. Frère, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est frère que vous voyez là sont des rétrogrades. Sœur, mon anishikia. Dada, mon anishikia. Balé ba sœur, balé ba kwanza bal. Ba dada, o boku takawana. Bola anta bangote. Balé ben alofo komis. Ba oye bazo lofo penza. Ba rétrograde, balé banako yaka mu retard. Ba ye ba yaka na retard. Ba rétrograde. Kola ndisa bangote. Parce que tu peux commencer à suivre quelqu'un donc, qui est un cochon-corps. Tu commences à désirer être comme cette personne. Tu vas aussi être cochon-corps. Nous ne venons pas à l'église pour l'apparence. Nous ne venons pas à l'église ici pour montrer que nous sommes là. Montrer combien nous sommes bien alliés. Nous ne venons pas à l'église ici pour l'argent ou pour cotiser. Nous venons à l'église pour un objectif plus élevé que tout ça. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu entre en nous et que nous entrions en Dieu. Voilà. Quand vous commencez à suivre un rétrograde, vous êtes en train de jouer avec votre destinée. Ne le prenez pas comme votre exemple. Il y a des gens à qui Dieu a donné le souffle de la prière, un très grand souffle. Quand il venait à peine d'arriver, il venait, je ne sais pas, chez les groupes de prière. Ça signifie rien d'autre que mon groupe de prière. Il priait. Rien de comba, rien de comba. D'actualité du message. Il n'a quoi ni ma misemo, il est où ta kuta ya sa sa mumujumbe. Mais les ailes de la prière. A la kini biti ya maombi. C'est bien déjà. Yo, il n'a pas chocobaki à fakaville. Continue toujours. Endeleya. Il y a des gens. Koko bantu. Qui Dieu a prévu. Yakama mungu alitarish. Que lui, s'il prie 5 minutes. Yakama ya ki ombe tu ta kika tano. C'est suffisant. Ah, konaish. Mungu na mushiki. Et Dieu l'écoute. Na mungu na mushiki alwaki. Miracle. Mijuze na et il garde la vie en soi. Na aye mwenye anachunga uzima ndani yake. Maintenant toi. Sasa wey. Toi tu n'es pas fait pour ça. Wey hauna sa ye. Frère Bande Marie. Duko Brahma sema. Pierre. Petro. Lui. Ye. Son cas c'était le miracle. Mambo yake ilikuwa ni miujiza. Mais André priait beaucoup. Alakini André yarianza kuomba sana. Pendant qu'André priait beaucoup. Wakati André yarianza kuomba sana. À genoux beaucoup de. Weko kumagoti masaa mingi. Pierre. Pierre huko ngambo. Il faisait des miracles. Yarianza kufanya miujiza. À cause des prières d'André. Kwa ajili ya maombi ya André. Pierre n'a pas prié devant le stropillé devant la belle. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prié. Il a seulement regardé. Il a dit, lève-toi. Marche. L'homme s'est levé. Il a pris ses histoires. Et il a marché. Pierre n'a pas prié. Mais le secret, c'était la prière d'André. Si vous êtes un André, ne cherchez pas à être un Pierre. Soyez André. Priez beaucoup. Priez même 7 heures. 7 heures du temps. Ne vous laissez pas influencer. Vous cherchez tout, vous n'avez pas.
par la sœur qui vient ou le frère qui vient ici. Kupitia data wao ndugu moyo anakuyaka hapa. Et qui prie 5 minutes. Na yelo yake anashimama kwa tena paka Bwana Yesu katika jina la Yesu. Amen. Anaenda. Hapa. Na analala na bushingishi. Il vient pour veiller à l'église. Yeah, anakuja njoo akukesha kwa kanisa. 5 minutes il dort. Ni mukisha tu kwanza tu paka katika jina la Yesu. Unaona hapa na profile anaenda kalala. Qui venait pour veiller. Na wewe ule ulianza kuja njoo akukesha. Vous avez ce souffle là. Dieu vous a créé. Uko na ile pepo Mungu alikuumba na ile pepo. Dans ce sens là. Wende wile namna ile. Dieu nous a pas tous créé de la même façon. Mungu ashikutuumbe chabote namna moja. Priez toujours. Omba paka. Priez toujours. Omba paka. Oh, apana, tunakuwa na frère fulani ya maintenant, quand je parle comme ça, sasa, wakati mina bema mutu kavile. Il y a maintenant les autres, beaucoup vont aller se classer dans les sacs de pierre. Kutakuwa ba mingi, batasama, sima, ushetu, unakuwa ba pierre. Je ne vous dis pas ces choses-là pour que vous fassiez ça. Angaramishi, mionese, sema, mukwe ba pierre. La Bible dit prier sans cesse. Biblia, yon, sema, muombe, vila kuwati. Ça, c'est la vie de tout chrétien. Il est tout ni maisha ya Kristo yote. Prier et prier toujours. Muombe na muombe na muombe. Prier sans cesse. Muombe vila kukata. Je vous donne un exemple en un exemple encore plus concret. Pasteur Richard. Pasteur Richard. Il part à la montagne. Ya nenda kumulima. Le jeudi. Mukazi ine. Le vendredi. Mukazi tano. Il revient ici la nuit du. Anarudi yauko mushiko ba mumposho. Depuis le jeudi là, il est toujours à la montagne. Pendant jour et nuit, il est. Toke ya mukazi ine ya alikuwa paka kumulima. Mushiko na mchana. Il revient le samedi. Anarudi hapa samedi. Il vient ici. Anakuya hapa. Prions le Seigneur. Tombeni Mungu. Lui, il est déjà fatigué. Yeah, anesha kuchoka na maombi kuna anatoka kulima. Anaweka mkono yule Mungu. Oh Seigneur Jésus. Tuombe Bwana Yesu. Et les autres commencent à prier. Na aba bengine banaanza kuomba. Et le pasteur Richard commence. Il monte na panda na panda na panda Bwana. Tu as dit dans la parole. Ulisema katika neno. Et quand cela s'est accompli. Na wakati ile ilitimilika. Tu es descendu. Ulishuka. Tu l'as fait Seigneur. Ulifanya Bwana. Oh Jésus aide-moi. Eh Bwana unisaidie. Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Dès que Jésus-Christ. Tu entends la voix de Pasteur Richard, wakati unashikia tu Pasteur Richard, toi aussi tu commences à baisser. We na we unaanza kushuka. Est-ce que tu connais le chemin que Pasteur Richard? Unajua njia ya Pasteur Richard. Mulikuwa naye kumulima. Hein? Hein? Il y a déjà le pasteur, il a. C'est ma pasteur, moi il a terminé. Minaisha déjà. Mimi naishi. Paka hapa njoo pakulari hapo ndugu pako yetu. Iraka ushingisha kana kabari. Ce sont des exemples concrets. Ile ni mifano ya kuonekana. Il y a des sœurs ici qui venaient ici toute la nuit. Kuko badada baranzaka kuya beko hapa. Kila bushiku baranzaka kuya kuomba. Toute la nuit. Bushiku bote. Bujima. Bote bujima. Depuis à partir de 21h. Kwanzia paka saa ya 21h. Elle est toujours en prière. Eko paka mama ombi. Jusqu'à 5h. Paka na saa ya 5h. Il n'y a que très peu qui garde ce souffle là. Kuko tu kiloko vele banachunga ile pumzi. Comme la sœur Charon, elle est da, da Charlop. Ushipime. Je vous affirme que si elle commence à 22h. Ye kama naanza saa ya 22h. C'est jusqu'à 4h. Keba ange wewe utalala unashituka na saa. Elle est toujours en train. Eko paka na ombi. Ndio pale unaona Dieu l'utilise beaucoup. Ndio kwa maana unaona Mungu yuko anamtumikisha. Sasa wewe maombi hauna nayo, umeanza kupenda kwa sadaka roho. Angalia vile utapasuka. Est-ce que nous sommes ensemble? Eh, tu comprends moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Tu comprends moi? Il y a des gens à qui Dieu a donné ces choses. Kuna watu pale Mungu alipatia ile bintu ya vile. Et ils doivent persévérer dans ce sens. Na pasha kubakia na kuendelea paka muile namna. Au lieu de commencer à fixer vos yeux sur le Bari ya kwanza kuangalia macho yako sio. Kama les appelle les vieux loups de mer. Nuko bana mana baita banduku ba zamani ba kumai. Ba vieux loups de mer. Ba papa découragé. Comme le frère Gédon là. Eh ça ndugu Gédon. Parmi les gens qui prient beaucoup longtemps. Bantu pale wanaombaka zaidi sana na kukawia sana mungu. Dule ndugu je domo na wanapa. Je veux que tu influences les autres. Mina penda uvute bengine ndugu. Fais ça ici. Waanze kubifanya hapa ndugu. Tu viens la nuit tu pries. Unakuya kwa mshuku unaomba. Kwanza le premier unatuanga paka kule 50e. Uko paka kunyumba. Hapana. Hapa. Il faut influencer les autres. Inafasha kuvuta bengine. Parce que en le faisant, tu prêches aux autres par ton habitude. Uko na ubiri bengine kupitia mwenendo yako. Les autres vont regarder dire, bengine batakora basema aka. Hey, ce frère il prie beaucoup. Uyo nduku ni moto. Un frère qui me disait, kuko nduku anaanza kunionyesha, il ne connaissait pas le nom de frère Gédon. Ashikujua njia ya nduku Gédon.
Parce que le frère là, le bronzé, j'ai dit quel frère? Il y a beaucoup de frères bronzés. L'identificatif, il me dit, le frère qui prie beaucoup. Sasa wewe na wewe unakuwa ni ule dada na lalaka bushingishi. Ah, on va t'identifier comment? Na, tunaweza kujua ule dada na lalaka bushingishi sana. Sasa ule dada na lalaka mtobola na mkinyo. Ule dada ule. C'est lui que tu réveilles dans la prédication. Ule na labushaka sana mhubiri ule. Toi tu es en train de dormir. Wakati beko na mhubiri wewe kule huko na unalota na kulota. Dada fulani. Les jours suivants certel. Dada fulani. Tu influences les autres par ça. Uko na vuta bengine mu bushingishi. Ni mubaya. Alléluia. Amen. Je termine la citation. Mina maliza tamko. Frère Manon me dit ceci. Beaucoup de gens m'ont dit. Cherchez Jésus par la fuite. M'tafte Yesu, nukta m'nane. Du 28 février 54. Yamou le 28 février 1954. J'aime lire la parole de Dieu. Mina pendaka kusoma neno ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime lire la Amen, parole? Amen, amen, amen. Lisez la parole. Nous sommes neno. Car elle est vraie. Kwa sababu ni ya kweli. Et mes paroles peuvent faillir. Na maneno yangu inaezi kuanguka. Comme les paroles de n'importe quel autre homme. Aizuru sa zingine maneno ya kila mtu. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Lakini maneno ya Mungu haiezi kuanguka. Elle reste toujours la même. Inabaki paka moja moja. Et bien maintenant. Na kweli kweli hapa sasa. Nous aimerions parler comme dans chaque réunion de Jésus-Christ. Il est le centre de notre adoration. Le centre de notre attraction. Le centre de notre vie. Tout ce que nous avons et que nous voulons et que nous sommes et que nous serons c'est basé sur lui. C'est lui qui est venu donner sa vie pour nous. Il est descendu de Dieu. De la gloire. Et il a été fait chair. Il a habité parmi nous. Et il a porté sur lui les péchés de nous tous. La maladie de nous tous. Il a emporté au calvaire. Et là il a payé le prix. Il est digne de toute louange. Qui peut lui être rendu. Quelqu'un a dit. Il n'y a pas longtemps il a dit. Frère Branham. Vous vantez trop Jésus. J'ai dit je ne le vante pas trop. Vous ne pouvez pas trop parler pour vanter notre. Vous ne pouvez pas trop parler pour vanter notre Seigneur Jésus Christ. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler exagérément de Jésus-Christ. Il est digne de toute louange. Quelqu'un peut-il dire Amen à ça? Amen. Amen. Ce que nous voulons, c'est que Jésus devienne le centre de notre attraction. Le centre de notre vie. Mettons-nous debout. Nous voulons qu'il soit notre référence. Nous voulons qu'il soit le centre de notre vie. Pas la télévision. Pas la télévision. Pas Facebook. Aïna ta WhatsApp. Pas les réseaux sociaux. Aïna tous mes réseaux sociaux. Mais ce qui doit être notre centre d'attraction. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni bwana Yesu Kristo. Il est la vie. Yeye ni uzima. Il est le chemin. Yeye ni njia. Il est la vérité. Na eko kweli. Ce dont nous avons besoin. Enye tunahitaji. Ce soir. Yoni iyo. C'est du Saint-Esprit. Ni Rome takatifu. Et du feu. Na moto. Ça va tirer les croyants qui voient quelque chose. C'est frère Branham qui dit ça. Ce dont nous avons besoin. C'est du feu. Ni moto. Et du Saint-Esprit. Nous devons les chercher. Au-delà de tout espoir. Nous devons les chercher toujours. Et toujours. Jusqu'à ce que nous les recevions. Tant que tu ne l'as pas reçu.
Pas une sensation. Hakuna hata chemko moja. Pas un cri. Hapana mambo ya malalamiko. Pas le fait de tomber. Sio maneno asema wanguke tu chini mbulongo. Toutes ces choses sont bonnes. Hivi vitu vyote ni vizuri kweli. Mais je parle de la vie de Dieu. Lakini nasema njoo ya uzima wa Mungu. La vie de Christ. Uzima wa Kristo. Qui s'installe dans votre propre vie. Enye inaikaa katika maisha yako peke yako. Qui devient le centre de gravitation. Enye inakuwa tu katikati ya mvuto. Christ qui gravite tout autour de Dieu. Christ mwenye anavuta yeyote pembeni na kando kando ya Mungu. Tous vos sentiments gravitent vers Christ. Ile tu mania yako yote inakuvuta na Mungu. Oh, vraiment que Dieu nous aide à pénétrer cet thème ici. Na Mungu apate kutusaidia tuingie katika upana wa hiki tuwa. Tous les cinq sens du corps sont gravités vers Christ. Milango yote tano ya mwili inapata kuvutwa na Mungu. Il est lui-même le trou blanc. Kwa sababu yeye anakuwa tu shimo mweupe mule ndani. Il fait graviter même vos cinq sens de l'esprit. Yupo anavuta na kutoa tu mabwezo hata kuma ile milango tano ya maisha yetu. Vos raisonnements sont gravités. Ile tu mawazo yenu inakuta unavuta na Mungu. Toutes vos imaginations sont gravités. Mawazo yako yote inavuta na yeye. Votre conscience est gravitée vers lui. Hata na matamiri yako inavuta na Mungu. Cette fois là, mara ile, vous ne regardez pas de l'extérieur vers l'intérieur. Autaangalia tokea mbaya nje kuangalia ndani. Mais de l'intérieur vers l'extérieur. Lakini unaanza kuangalia kutoka ndani kuangalia nje. Il devient la gloire de la Shekinah. Anakuja ile utukufu wa Shekinah. Qui rafraîchit votre vie. Enye inapolesha maisha yako. Qui vous fait marcher. Enye inakufanya utembee. En vertu de sa propre parole. Kuangalilia tu na neno lake. Pas une imagination. Sio tu mambo ya kufikiria. Une sorte de théorie dans ama la tête. Ama mambo moja tu ya majifunzo na kujua mingi. Mkichwa. Je connais qu'est-ce que le Saint-Esprit. Unajua Roho Mtakatifu ni nini? Je connais qu'il est la vie. Mimi najua kama yeye ni uzima. Je connais qu'il est ceci. Najua kama yeye ni fulani. Je connais qu'il est la puissance. Najua kama yeye ni uwezo. Ça c'est connaître. Ile ni kujua. Ujuzi. Le Saint-Esprit là. Lakini yeye Roho Mtakatifu ni véritable expérience réelle. Anakuwa kuonja kwa kweli na kwa uhaki. Nous n'allons plus faire beaucoup de bruit. Nous ne serons plus obligés de faire beaucoup de bruit. Pour vous amener à l'ordre de la parole. Mais vous-même vous serez un chrétien. Et ça sera quelque chose d'automatique. Ça c'est vraiment un souhait. Pas seulement un souhait mais une prière. La plus profonde de mon cœur. Je souhaiterais Dieu me prive de tout. Ya kama Mungu aniime byote. Mais que je ne manque pas mon objectif. Lakini nisikose kifukuzio yangu. Celle de vous amener. Kile tu kia kumipeleka. À la vie de Dieu. Katika uzima wa Mungu. Pas la mort. Apana lufu. Pas le trou noir. Apana ile nchimu mweushi. Mais la vie de Dieu. Lakini uzima wa Mungu. Et cela est une réalité. Na ile ni ukweli. Mes amis, c'est une réalité. Marafiki ni ukweli. Frère Bana me dit Dieu. Ndoko na nasema Mungu. Il détient cette puissance. Yeye anashika ile uwezo ile. La puissance de transformation. Uwezo ya mabadiliko. Il a cette puissance. Eko na ile uwezo. Il a cette force. Eko na ile nguvu. Qui peut changer votre vie. Inenyenezi kubadilisha maisha yako. Il l'a fait en Eden. Aliifanya katika Edeni. Il peut le faire encore ce soir. Anezi tena kuyafanya ijioni. Frère Bana me dit. Ndoko na nasema Dieu. Mungu a envoyé sa puissance. Alituma tu uwezo wake. De transformation. Ya kubadilisha. Pour accomplir sa parole. Dieu a changé tout le corps de Sarah et d'Abraham. Il a transformé un vieil homme et une vieille femme parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Il a envoyé sa puissance de transformation pour vous affranchir de cette religion déformée dont vous faites partie. Dans ce chaos de difformité où nous sommes, Dieu a envoyé sa puissance transformatrice. Sa parole confirmée, prouvée. Pour vous affranchir de cette déformation. Religieuse. De l'ignorance dans laquelle vous marchez. Nu, aveugle, misérable. Et vous ne le savez pas. Vous avez rétrogradé. Et vous ne le savez pas. C'est ça qui est plus grave. Parce que vous pensez que vous êtes dans un état correct, convenable. Vous pensez que cet état-là est normal. Non.
Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je voudrais. Mais une chose est certaine. Je ne suis plus ce que j'étais. Mais quand vous pensez que vous êtes déjà ce que vous devriez, vous commettez erreur. Parce que vous avez encore une cible à atteindre. La fin, ce n'est pas le fait de fréquenter l'église. Na la fin à mwisho, ce n'est pas le fait d'être à l'église tous les jours. Ça ce n'est qu'un pas. Ile inakuwa tu ni hatua. Et il y a plus que ça. Na kuna zaidi ile. Soyez à l'église mwe kanisa siku yote, tous les jours kila siku, mais poursuivez l'objectif. Alakini kuenda mbio kukifukuzio. Le but de la vocation céleste. Ile tu kifukuzio kia mambo ya la nouvelle naissance est une expérience réelle. Kuzali kwa jipe inakuwa ni kuonja kwa ukweli. Si vous êtes disposé, kama wewe uko tayari, vous êtes dans un état convenant, kama uko katika hali na stahili, il peut vous donner cette expérience même maintenant. Kukupa ile kuonja hata hapa sasa. Il peut vous changer même maintenant. Il a changé Saul. Alibadilisha Saulo. Il peut vous changer. Il a transformé de l'eau en vin. Alibadilisha maji na kuwa vinyo. Il peut vous transformer. Il a créé les écureuils. Aliumba kabunji. Il peut vous recréer. Et faire de vous une nouvelle créature. Na kufanya wewe uwe umbile mpya. Approchons-nous de Dieu maintenant. Tukaribie na Mungu sasa. Parlons-lui de tout notre cœur. Tumusemeze na moyo wetu wote. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus, change-moi. Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Change-moi, Seigneur. Oh Jésus. Oh oui, change-moi, Jésus. Oh Jésus, change-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Brise-moi, Seigneur. Oh Jésus, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Oh Jésus, brise-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force de ce Saint-Esprit, brise-moi. Oh Jésus, thank you.
Thank you.
Les chapelles ou les voix ou les mères, être de
nous sommes. Laisse que cette parole, au Dieu puissant, au Dieu de gloire, puisse nous transformer dans un adorant à Dieu de gloire. Nous adorons à travers cette même chaîne de voiture. Nous nous exposons au Dieu Père à ce soleil et très puissant. Oh Dieu bébé, afin que la sémence qui se trouve en nous puisse gérer le Père de gloire. Alors une fois, au Dieu de gloire, nous nous abandonnons à travers cette main pour élargir au Dieu de gloire dans le main du boutier. Donne-nous au Dieu de gloire la forme qui te plaît, très puissant. Comme ta parole, au Dieu de gloire, est une épée, au Dieu de gloire, à double tranchante, au Dieu Père, au Dieu de mer, laisse au Dieu de puissant qu'elle puisse nous façonner, au Dieu de gloire, et nous donner, au Dieu de gloire, la stature de nos parfaits, au Seigneur de gloire, au Dieu de puissant. Nous te bénissons, Dieu de gloire, pour cette parole que nous avons écoutée ce soir, mon Seigneur et mon roi. Que nous ne soyons pas, au Dieu de gloire, les auditeurs, vous priez, glorieux Père, mon Seigneur et mon roi. Oh, Dieu de mer, et que ceci, au Dieu de gloire, soit notre avis et notre maison. Que ta parole puisse nous transformer, que ta parole puisse nous changer. Que ta parole, au Dieu de gloire, mon Seigneur et mon roi. Oh, Dieu de mer, puisse, au Dieu de gloire, faire de nous ce que tu veux que nous soyons, mon Seigneur et mon roi. Oh, Dieu de mer, nous avons le droit de traiter cette mer. Bénis chaque cœur qui a réussi cette parole. Soit au Dieu de gloire une sémence, au Dieu de gloire tomber être de présent dans une bonne terre, au Dieu de gloire, afin que ça puisse produire le fruit de l'esprit, que ça puisse produire la patience, que ça puisse produire la tempérance, que ça puisse produire la piété, que ça puisse produire l'affection fraternelle être de présent, oh Dieu de lumière, que ça puisse produire le fruit de l'évangile, au Dieu de gloire. Ce n'est pas en vain, au Dieu de gloire, au Dieu de lumière qu'on prêche, ce n'est pas en vain, au Dieu de gloire qu'on crie. Pêche, au Dieu de gloire, c'est pour que les gens, au Dieu de gloire, au Seigneur de mon roi, c'est pour que nous vainquions, au Dieu de puissance, c'est là, au Dieu de puissance, oh Dieu de gloire, laisse maintenant que cette parole, au Dieu de puissance, que nous écoutons du jour au jour, puisse, au Dieu de gloire, au Seigneur de mon roi, produire des résultats palpables, au Seigneur de mon roi, dans nos vies, au Dieu de puissance, car toi, tu ne peux jamais sortir une parole, et cette parole a retourné auprès de toi sans se faire non plus, tu as dit que j'ai laissé envoyer ma parole, et ma parole les a guéris, ma parole les a donné la vie éternelle. Maintenant que cette parole au Dieu de puissant puisse être pour la guérison de nos corps et de nos âmes au Seigneur mon roi et que ça puisse nous changer, nous transformer, Père Céleste. Bénis au Dieu de gloire chaque homme et chaque femme qui a écouté cette parole au Seigneur mon roi, que ça soit notre sujet de méditation qui jour au jour au Seigneur mon roi et que nous puissions nous conformer, Père Céleste. Du reste, nous te bénissons, mon Seigneur mon roi, pour ceci et pour la réussite de notre réunion de ce soir, mon Seigneur mon Dieu. Nous nous abandonnons à traiter cette main. Bénis au Dieu de gloire ton service qui est activisé. Bénis nous qui avons écouté, mon Seigneur et mon roi, béni être de présent, ainsi que notre service qui reste, mon Seigneur et mon Dieu, ainsi que notre chemin de retour entre tes saintes mains, Père Céleste, sois avec nous, mon Seigneur et mon roi, et si tu nous donnais encore une autre occasion de retourner s'il est dimanche matin pour t'adorer, ça sera pour la gloire de ton nom, dans le précieux nom qui est au-dessus de ton nom. Laisse maintenant par la même occasion, s'il y avait quelqu'un venu ici avec une maladie, qu'il soit guéri, Père Céleste, s'il y avait quelqu'un avec un problème, qu'il soit consolé, mon Seigneur et mon roi, oh Dieu bénévole, Seigneur Jésus-Christ, car lui ne peut entrer dans ta présence et retourner tel qu'il était venu, mon Seigneur et mon roi. Il y a des gens avec la question, au Dieu de gloire, il y a des gens, au Dieu de gloire, qui luttent pour quelque chose, pour un quelconque péché, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser, glorieux Père. Mais je sais que ta parole, il y a une puissance dedans, mon Seigneur et mon roi. Laisse maintenant que cela puisse nous transformer, glorieux Père, nous détacher des mauvaises, des sales habitudes, au Dieu de gloire, qui se sont accrochés à nous. Ah, au Dieu de puissant, que nous avons lutté à nous-mêmes, être puissant, nous n'avons pas pu, Père Céleste. Prends maintenant la relève, être puissant, oh Dieu bénévole, et occupe-toi de la situation, mon Seigneur et mon Dieu, et prends la situation sous ton contrôle, mon Seigneur et mon roi. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, ainsi que notre chemin de retour est tout entre tes saintes mains, au nom précieux et au-dessus de tout nom, le nom glorieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.